Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto réalisé par Studio ATB54. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment séquencer un son sur le contrôleur MachineGEM de Native Instruments. Comme définition, on pourra dire qu'un séquenceur est un outil capable d'enregistrer et d'exécuter une séquence de commandes, par exemple une partition, permettant de piloter des instruments de musique électronique. Il ne produit aucun son par lui-même, mais sert à automatiser l'exécution d'une séquence musicale. Suivant la technologie utilisée, ces commandes peuvent être une simple séquence de tension pour les instruments analogiques, par exemple, ou des messages numériques en MIDI. Dans cet exemple, j'ai décidé d'utiliser Machine Studio en standalone et Machine Gem comme contrôleur. Machine Gem est équipé d'un séquenceur multipiste de 8 pistes. On dira aussi qu'il est polyvalent. Il est à la fois donc pour les batteries, comme batterie ou contact, et pour les mélodies de type piano, synthé. Comme synthé, je pense par exemple à Massif ou à Monarch. Je vais revoir avec vous trois fonctions de base importantes. Alors, la première sera le play. Si j'appuie sur le bouton play, la lecture redémarre où elle s'est arrêtée à la lecture précédente. En deuxième, nous aurons le restart. Pour ceci, je vais appuyer sur Shift, play. Donc, la lecture, alors là, va redémarrer au début de la pattern. Troisième chose, il me reste à vous montrer comment sélectionner le step séquenceur. C'est assez simple, on appuie sur le bouton au-dessus à gauche, step. Nous allons commencer maintenant la programmation d'une pattern de son de batterie. Je ferai une vidéo prochainement sur la programmation d'une séquence mélodique. Revenons maintenant sur le contrôleur MachineGEM. Première chose à faire, c'est de sélectionner soit un son, un sample ou éventuellement un groupe. Moi, je propose ici, dans notre exemple, de travailler avec un groupe de sons. Ce sera une batterie complète avec kick, snare, hi-hat et d'autres éléments. Pour ça, c'est assez simple. On va cliquer sur Browse. Avec le bouton rotatif, on va aller chercher groupe. Le voici. On va sélectionner. Et avec les flèches, on va aller sur la droite. On arrive dans le menu déroulant. Je sélectionne le kick. Je vais prendre le premier. Avec qui? Voici. J'appuie sur le rotatif. L'ensemble de la boîte à rythme est chargé et est mappé directement sur le contrôleur MachineGEM. Nous allons maintenant commencer la programmation de la pattern. Première chose à faire, on va sur Step. Ensuite, on écoute les sons qui sont à disposition. Dans le kit que l'on vient de charger, kick, snare. Je sélectionne le kick. Je vais sur mon step. Ici, on va mettre en 4-4. Je redémarre la lecture au début. Shift, play. C'est parti. Ici, on tourne à une vitesse de 120 bpm.
Je vais vous montrer maintenant comment effacer la programmation d'un son. Imaginons qu'on souhaite retirer la programmation sur le kick. Donc on va faire Clear. Ensuite, on sélectionne le kick. Donc ce sera ce pad-ci. Et l'ensemble de la programmation a été effacé. On va faire pareil pour la snare et pour les autres. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant comment programmer 8 sons en même temps. Il faut savoir que MachineGen donc, offre cette possibilité. Donc pour cela, il faut aller sur Step. On va sur Step et on sélectionne 8. Je reviens sur Path Mode. Je sélectionne mon son et sur step et puis je le séquence. Donc ici je suis sur la première page, je peux aller sur une deuxième page. Donc pour faire mes 16 pas, voilà. Ensuite je repasse sur path mode, le clap ou la snare. Voilà, donc on va lancer. On peut le faire aussi à la volée, donc je sélectionne. Je reviens sur Step. Donc là, on voit directement le résultat. Je passe sur la deuxième page. Comment programmer 8 sons en même temps. Donc, il suffit de remplir ici dans le séquenceur, ceci ça correspond à chaque fois aux différents sons. Donc le premier son c'est le kick, le deuxième donc on le retrouve sur la deuxième ligne, troisième ligne et on va jusque au huitième son. J'espère avoir répondu de manière simple et précise à la question de base qui était comment séquencer un son sur le contrôleur MachineGen de chez Native Instruments. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Sur ce, ciao!